C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouais, tu veux un truc qui te mette dans une bonne humeur? Oui, si c'est possible. J'ai fait une anse pour ton mug, ça ressemble à un P. Mais je me suis pas rendu compte que comme ça faisait surtout une couille. T'auras une anse bite. Voilà. Je suis abattue. Je suis abattue. J'espère que vous avez entendu ce qui vient de se dire. Parce que je suis personnellement abattue. Oh, c'est toi qui voulais un mug bite, t'as une anse bite, fais ce qu'on veut, hein. Mais et si je vais là? Ok, ça marche. Ah non, ça marche pas. Mais alors par contre, du coup, y a plus la webcam. Il y a rien qui... Attendez, déjà. Nickel. Ah si, c'est bon. La webcam, elle est là. Et si on est là, ok, ça dégage. Ok, je laisse comme ça, je vais foutre ça sur un trépied. Parce que sinon, là, actuellement, on va avoir envie de crever. Là, je peux vous voyager, je peux faire un vlog. Putain, on est de retour à l'ancienne, quoi. On est de retour à l'ancienne, hein. Alors, si je mets ça comme ça, est-ce que vous êtes dans le bon sens? Yeah! Et du coup... Merde, désolé, ça voyage un peu. Du coup, ce qu'on va faire, ça, je vais le descendre. Oh putain, vous avez vu un cul? J'espère qu'on va pas être ban. Ce serait vraiment le pire truc. Hop! On va faire ça. Putain, il y a encore un cul. C'est terrible, il y a des boules partout ici. Je vais mute le micro 2 secondes et comme ça, je vais le mettre sur ce trépied-là. Hop. Ok. Yes. Pas mal du tout. On voyage sur ce stream, on voyage un peu. Bon, en vrai, c'est pas ouf, mais c'est ok, non? Enfin, c'est surtout pas ouf. Bon, c'est pas ouf, mais au moins on a une image. Une affaire rondement menée. Merci beaucoup, Liloupe est fragile. Merci, franchement, merci, Liloupe. Liloupe, ce sauveur. Ok. Ouh, on est bon. Pas mal du tout. On voyage un peu. On voyage un petit peu sur ce stream. On est de retour à l'ancienne sur le téléphone. Hop. Let's go. Coucou Ash, comment tu vas? Et bonjour Touk, mais oui, du coup, je sais pas trop. Ouais, t'es canon aussi, comme dit Bébert. Mais je sais pas, genre là, mon boîtier il me fait une erreur. Erreur 70. Est-ce qu'on peut zoomer sur ce truc? Waouh, on peut même zoomer. Bon, la qualité, elle est sans doute éclatée au sol. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si pire. C'est pas si pire. Non. Bon, écoute, on est plus à... Ouais, mais en même temps, t'es sur un téléphone. Oui, certes. Dans les paramètres, tu le souhaites, tu peux changer la qualité. Ouais, mais du coup, ce que disait Liloup, c'est... Wow, la facecam, de ouf! Attends, regarde. Genre, même. Yo. Insane. Et... Oh, il fait un à l'envers, à l'endroit. Et genre ça me fait une erreur sur le boîtier, je sais pas, j'ai pris des photos et tout ce matin, ça marchait et là ça veut pas. Donc je sais pas trop, c'est un peu chiant mais bon. L'important c'est la bonne humeur, les pots et la sieste. Exactement. Du coup, moi à la base, je voulais vous montrer les trucs qu'on a fait, enfin genre qu'on a sorti du four. Ça va bien H, merci beaucoup. Ça va un peu mieux maintenant que bon. C'est pas ce que j'aurais souhaité mais bon. Au moins ça marche, donc c'est déjà ça, même si on n'est pas sur la qualité habituelle. Du coup, j'ai sorti toutes les pièces du four là, donc j'ai toutes les pièces qui vont être en vente vendredi. Donc j'ai commencé à en prendre pas mal en photo et tout. Donc j'ai notamment cette petite assiette où j'aime trop, où je suis vachement contente, j'aime beaucoup. Donc ça va être dessus.
Il y a ce grand saladier. Mais c'est pas le nouvel objectif, Touk, je pense, parce que j'ai essayé avec. Enfin, déjà hier ça marchait. Hier ça marchait et genre je l'ai laissé allumer pendant un petit moment avec OBS et j'ai jamais eu cette erreur. Et là j'ai essayé même avec. Je me suis dit peut-être que c'est le nouvel objectif. Et j'ai tenté du coup avec un autre et ça marchait pas mieux. Donc bon, écoute, je sais pas, je verrai. Je verrai. Mais le truc c'est que je sais pas quoi faire. Les canons ils sont un peu éclatés au niveau. Enfin, au pire, j'appellerai, je verrai. Mais bon, j'ai sorti ça aussi. Où je suis relativement très contente. Je suis allée. Mais non, en plus, il est trop bien, Touk. Il est trop trop bien. Enfin, genre, j'ai passé 10 minutes à faire waouh! Waouh! Waouh, c'est silencieux. Mais du coup, voilà. C'est erreur 70. Le service client Canon est très bon et assez réactif. Ok, bah écoute, j'appellerai ou j'enverrai un mail. Enfin, j'essaierai de les contacter aujourd'hui, du coup, Liloupe. Je note. Voilà. J'aime trop. J'adore la couleur à l'intérieur. Là, à l'extérieur, ça, j'ai fait en satiné parce que pour le saladier, je me suis dit que ce serait bien. Et je suis trop contente. Donc ça, je suis très contente. D'ailleurs, du coup, il y a. Hop. Et j'ai sorti toutes les tasses qu'on a fait en grès. Et en fait, je suis trop contente. Appareil photo veut un câlin. Je lui fais des câlins tous les jours déjà. On va pas lui en faire plus. J'ai sorti du coup. Il bosse trop. C'est vrai qu'il a pas mal bossé. J'ai sorti les pièces que j'ai fait avec le grès. Et je suis grave contente. Trop belle et tellement originale cette nouvelle collection. Merci beaucoup, Ash. Ça marche, Lilou. Merci encore. Merci vraiment pour ton aide. Et hop, du coup, on peut voir la diff là avec la porcelaine. Alors, en fait, j'aime trop. Sur le brut, je crois que je préfère la porcelaine. Mais par contre, sur les autres, donc là, ça c'est brut. Ça c'est glossy. Glossy avec le grès dessus, je trouve que c'est trop joli. Je trouve que ça marche mieux qu'avec la porcelaine. Et avec le satiné, je trouve ça trop joli aussi. Donc je suis grave contente. J'avais trop peur du résultat là, avec ce grès-là. Et au final, je suis très contente. Je trouve que c'est un peu plus chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai tout pris en photo, je crois. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai tout pris en photo presque. Il me reste peut-être quelques pièces, mais ça va. Couleur de la porcelaine en contraste avec le brun foncé, insane. Ben, j'aime beaucoup la porcelaine sur le brut. Mais par contre, hop, genre avec le glossy, là entre celle-ci et celle-ci, je trouve que le glossy ça rend vachement mieux sur cette terre-là. Du coup, sur celle qui est un peu plus sombre. Mais dans tous les cas, du coup, il y aura les deux disponibles. Dans tous les cas, tout sera disponible. Le côté plus chaud, ça rend trop beau. Ben, je trouve que ouais, sur le glossy et sur le satiné, ça rend vraiment mieux. Genre là. Glossy sur porcelaine, j'étais pas fan. Et ça, j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup. Coucou Tar, comment tu vas? Là, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, je suis contente. Il y en aura plus. De toute façon, il y aura celle en porcelaine, brute, satinée ou glossy. Et pareil pour celle avec le grès en barbotine. Du coup, il y a ça. Il y a ce pichet là qu'on a fait. Je sais plus, on l'a fait lundi. Le pichet. Trop joli. J'ai chaud. Je compatis fort, il fait chaud. Là, il fait trop chaud. On est bien à l'intérieur. Du coup, voilà. Le petit pichet, il est trop léger. Je suis grave contente. Moi, je suis trop contente du pichet. Ça, je suis refaite. Et les Stuart palettes. Tadam! Voilà les petites palettes, du coup, avec un petit cordon. Comme ça, quand c'est posé ici, si c'est un peu chiant à prendre comme ça, ben hop, on a le petit cordon et on peut la récupérer. Pareil pour celle-ci. Là, j'ai fait sur une petite et sur une grande pour pouvoir prendre en photo. Mais du coup, j'aime bien. Je suis trop contente. Je trouve que ça rend bien même avec le petit cordon. Et du coup, elles se posent quand même bien plates sur la table parce que en dessous, c'est creusé un petit peu ici. Pour que le cordon puisse se fixer. C'est malin ce cordon. Ben, on y avait beaucoup réfléchi en live justement. Tu peux accrocher à tes clés. C'est la pire idée, Touk. C'est la meilleure idée, Touk Touk, pour casser la palette, je pense.
Mais du coup, oui, tu peux toujours la tenir comme ça. Et puis, pour à soulever, c'est bien. Mais on en avait pas mal parlé, justement, en live, tous ensemble, pour essayer de voir, genre, comment faire en sorte que la palette puisse bien se récupérer facilement, si on a un peu du mal comme ça. Coucou Zumaki, bonjour à toi. Ça va quoi ces palettes? C'est des petites palettes de peinture. Donc là, il y a la petite. Et là, on a la grande. Hop, donc pour faire de la peinture, faire ses mélanges, etc. Coucou Super Mousse, ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Du coup, voilà, je suis trop contente. Et je voulais mettre les petits cordons. C'est ça que je voulais faire. Avant de. Je vais regarder ce que c'est passé. Non, ça va? Ça passe. Moi, je t'enlève, il va pas faire les mouettes. Je vais mettre une anse plus petite en vrai. Ouais. Que je puisse l'utiliser dans ma vie. Pense placard. Hop. Et du coup, je voulais faire les petits cordons. Je me suis dit, on ferait ça ensemble. Je me suis dit, on ferait ça ensemble tranquillement au début. Putain, ça fait 1 h 30. Est-ce que tu as déjà fait. Non, renard, non, pas toi, pas comme ça. Non, je n'ai jamais fait cuire quoi que ce soit à manger dans Marcus. Jamais, c'est interdit. Marcus n'est pas là pour faire à manger. Très belle création en tout cas. Merci beaucoup. Ben ça, c'est les dernières pièces que j'ai sorties du four et du coup qui vont être disponibles sur ma boutique vendredi à 18 h. Où il y aura du coup des palettes de peinture, il y aura ces tasses-là, il y aura plein, 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 plein d'autres pièces. Hop! Du coup, je voulais faire ça avec vous là. Je me suis dit, on ferait ça au début, tranquille, en papotant. Bon, résultat, on a essayé de résoudre des problèmes techniques en papotant. C'était pas la même ambiance. Hop. Et. Bon, au moins, on est de retour avec une vidéo éclatée. Mais au moins, on a toujours un son qui est bien. Tu peux aussi faire une énorme avec un giga cordon qu'on met autour du cou et qu'on tient comme un vendeur de chouchous sur la plage. En vrai, il y a une strat bébert, mais il aurait fallu faire des trucs des deux côtés. Attends, je vais enlever déjà les scènes parce qu'on n'est plus en train de commencer, ça fait 1 h 30 qu'on a commencé. Genre, il y a un monde où je zoome un peu comme ça, c'est pas trop mal, non? Oh, je suis désolée, hein. On a perdu en qualité, mais bon, au moins on existe. Coucou Yuki, comment tu vas? Petite chaîne en or, j'avoue, hein. Petite chaîne en or. Je fais pas de peinture, mais tout d'un coup j'ai l'impression d'avoir besoin d'une palette si mignonne. Mais il y a pas mal de gens aussi qui disent que, genre, ça peut être pour les grandes, genre un espèce de petit compartiment à. Un petit compartiment. Enfin, une assiette avec des petits compartiments pour manger. Je sais pas ce qu'on peut manger dedans, mais bon. Ça se tente, hein. Commencement, on peut faire 3 heures. Il suffit de faire un stream de 24 heures. Alors écoute, vu les problèmes techniques qu'on a avec un stream de 2 heures, hein, on va pas faire 24 heures. Hop. Et j'aime bien. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi je trouve ça joli. Quand le bout là, il est genre. En fait, c'est une espèce de corde pour macramé que j'ai acheté. Je trouve ça trop joli, là. Ça fait un petit nœud. Ça va bien, merci Yuki. Hop, voilà. Je trouve ça trop pipou. C'est si mignon. Bon, je suis désolée, il y a des petits frises de la cam, des fois j'ai l'impression, mais ça a l'air ok. J'espère que ça va pour vous. C'est de la cuisson instantanée. Ouais, c'est de la cuisson instantanée. Ma chaise s'appelle Marcus. C'est vrai? Ça doit pas être de ça qu'on parle. Non, Marcus, c'est mon four. Marcus, c'est mon four. Donc là, par exemple, toutes les pièces viennent de Marcus. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, attendez. Alors, ça va peut-être faire un freeze. Mais je vais juste passer, voilà, ça en mode travail. Pour pas avoir d'alerte ou. Enfin, pour pas avoir de notif. Coucou Bimmer, comment tu vas? C'est quoi ta plus grosse création? C'est une. Alors, ça dépend. J'ai fait un vase. Enfin, j'ai fait des vases qui sont assez gros. Mais sinon, vraiment, le truc le plus gros, c'était des panneaux de carreaux. Et le plus gros, il faisait. Putain, ça faisait combien? Je sais même plus. Je sais que ça faisait un peu plus d'une quarantaine de carreaux. Ça faisait. Non, ça faisait 40 carreaux.
Je crois que les plus gros faisaient 40 carreaux. Et ça devait, il y en a un, ça devait faire 4 carreaux sur 10, 4 par 10, donc 1,5 m. Non, je crois que ça faisait plus. C'était peut-être 3 carreaux. Enfin bon, c'était un panneau de carreaux, genre de 1,5 m par je sais plus quoi. Un truc comme ça. Mais sinon, en forme 3D, c'est un grand vase que j'ai ici. Que je peux sortir. Je peux le récupérer si vous voulez le voir. Les carreaux montagnes, ouais, je les aime beaucoup, je suis contente de ça. J'aimerais bien en refaire d'autres, mais bon, faut que ce soit des commandes. Ça va bien, merci Bimmer. On a des petits soucis de cam, mais on a trouvé un backup. On a trouvé un backup téléphonique grâce à les loupes et grâce à Fragile. Hop. Hop. Faudrait pas. Faudrait. Il y a des petites brosses qui existent pour détorsader ces machins là. Bimmer. Tain, voilà, du coup, vous vous rendez compte quand même, les step-up du stream ont été supprimés, mis à l'écart à cause de ce bug de cam. Maintenant, on a une double cam et on a un objectif qui fait pas de bruit. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Hop. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. C'est pas trop mal ce petit cordon, en plus c'est joli. Coucou Tata, comment tu vas? Oui, on est sur une upgrade et une downgrade. On fait un peu des deux aujourd'hui. Fallait pas que ce soit trop parfait, donc on est sur les deux. Comment tu vas? Le meuble Twitch. C'est vrai, c'est le meuble Twitch de l'Artefer. Hop. On fait des nœuds aujourd'hui. Bon, et après, il faut qu'on tournasse avant que ce soit trop sec. Sinon, il va y avoir beaucoup de regrets. Hi. Coucou Pomme, comment tu vas? Oh! Oh, les palettes! Bon, il n'y aura pas dans. Il n'y a pas de petits nœuds, malheureusement, dans les palettes du giveaway de Pomme. Elles n'étaient pas updates à ce niveau-là. Oh, le setup, oui! Enfin, en vrai, le setup, ma cam, elle est mise à l'écart. Ma caméra, elle est mise à l'écart, Paume, actuellement. La pauvre, elle est. T'as fini de me suivre partout. Ah, vous vous suivez toujours encore? Vous avez pas encore réussi à vous quitter? Hop! Pourquoi donc? Eh ben, parce qu'elle me fait une erreur. J'ai mon Canon là qui me fait une erreur. L'ODM s'y blesse. Ouais, mon Canon me fait une erreur. Du coup, là, on est. Là, celle-ci, là, c'est mon téléphone. Heureusement que j'ai de l'aide. Mais là, je suis sur mon tel. J'espère que ça va aller. Ben, j'espère aussi parce que j'avais un nouvel objectif. J'étais trop contente. Mais j'ai pris des photos tout ce matin et tout. Et là, je sais pas, elle me fait une erreur. Je sais pas à quoi c'est lié. Du coup, je vais appeler le service client Canon. Pour voir avec eux pourquoi que ça marche pas. Quelle est where is the error? En tout cas, la double cam, oui, du coup, il y a quand même une petite update par ici avec la double cam. Je pourrais pas la voir sur le tour parce que c'est trop chiant, faudrait bouger la webcam en même temps à chaque fois. Il y a déjà suffisamment de trucs à bouger, mais au moins quand on est en vrai, je me dis que c'est quand même plus chouette. Là, quand je suis installée ici, et du coup, bah, je vous montre ce qu'il y a sur la table et ce que je fais. Je me dis, c'est quand même plus sympa si vous avez. Genre, parce que normalement, habituellement, vous avez juste mes mains qui bougent comme ça. Là, au moins, vous avez la tête qui va avec. C'est un peu plus vivant. Même si c'est en petit et qu'il n'y a pas d'overlay ou je sais pas quoi. Hein. Ça fait pas encore partie de mes cordes. Mais au moins c'est un peu plus vivant de voir ce que je fais. Bon, je veux quand même garder la qualité, donc la cam sur mes mains. Parce que ma tête, on s'en fout, je suis en petit. Mais ça donne un truc un peu plus vivant, quoi. C'est chouette, je me dis. Il y
Yes, les Philibert, c'est fini. Les Philibert, c'est fini. Est-ce qu'on a le droit de voir les Philibert? Tu peux bouger la caméra pour les voir, mais là je les ai tous retournés pour qu'ils soient, pour que l'anse soit belle. Je suis pas sûre que le câble soit assez long. Je peux en amener un si tu veux. Grave. Je peux en chercher un si tu veux, comme ça tu te balades pas. J'avoue qu'il me reste 20 minutes pour poser. Ok, attendez, je vais chercher un Philibert. Oh, ils sont trop mignons. Ouais. Oh, attendez, et eux ils sont, et eux ils s'appellent comment? Eux je sais pas, je voulais les appeler Jérémy parce qu'ils font penser à ton frère. Je sais pas comment ils le prendront, mais je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord, hein, il y a un petit air. Je vous présente Philibert. Hello Canon, what the fuck happened avec mon appareil? Exactement, c'est exactement ce que je vais te dire, bébé. Voilà, Philibert. C'est officiel. Philibert, c'est officiel. Et l'autre? L'autre, je sais pas encore. Et lui, alors, c'est pas encore officiel, mais son grand frère... Non, c'est Philibert, c'est pas Carlo. Et lui, c'est Jérémy, sans doute. Voilà, Philibert et Jérémy. Je veux Philibert. En vrai, Bébert, je trouve que Philibert... Alors, vraiment, là, quand je regarde Philibert sur le retour, je trouve qu'il a un air de toi, Bébert. Vraiment. Là, je l'imagine avec une petite... Genre, tu sais, tout... De Bébert, c'est Philibert. Bah, c'est pas loin. À quelques lettres, il y a le Bert, tu vois. Genre, là, je l'imagine au catch. Je l'imagine au catch, comme ça, en train de regarder Kurozo Kid arriver. Et Calypso est ton nouveau crush. C'est une photo ou quoi? Je te jure, là, c'est une photo. Hein. En vrai, je vous présente Bébert, Philibert, pour les intimes, et Jérémy. Voilà. Du coup, est-ce que s'il s'appelle Jérémy, ouais, il aura le droit à 10% sur un mug Jérémy? Oui. Si vous vous appelez Philibert ou Jérémy, vous avez le droit. Mais il faut une preuve. J'aime trop les petits nez. Oui, c'est trop chou. Attendez, parce qu'il y a mieux. Il y a mieux. Enfin, non, c'est pas mieux, c'est différent. Ok. Ah ouais. J'aime bien, en vrai, le principe. Hein. J'aime beaucoup. Moi, je trouve ça plus chouette ici que si c'était tout en bas. Ouais. Et lui, il a un petit nom. À deux doigts de rename. On a Paume qui est en route vers la mairie, là, actuellement, qui va s'appeler Philibert. Et lui, il n'a pas encore de prénom. Mais imaginez, vous êtes comme ça, là, en train de boire votre petit thé. Coucou. Hihi. Le nez à l'intérieur, ouais. Et réfléchissez, sur l'extérieur, on verrait pas trop. Et à l'intérieur, et puis on s'est dit, là, ici, là, c'est chouette. Je l'imagine trop, là, avec un... Genre, tu sais, un petit bol de lait ou de chocolat. Et du coup, t'as un peu l'impression qu'il est en train de prendre son bain. Voilà. Extrêmement chou. C'est extrêmement mignon. On est d'accord. Arthur, tata? Je sais pas s'il a une tête d'Arthur. Ouais, je vois pas trop Arthur. Ouais, pas trop Arthur. Si jamais vous en faites un qui s'appelle Déborah. Petit Déborah. Il va avoir un tarin. Hein. Parce que j'ai demandé à Seven de me faire un mug. Et je lui ai demandé, je veux un mug. Genre un giga mug. J'aime bien tout appeler Arthur. Un petit crush pour le prénom Arthur, peut-être. Mais faut pas mettre une soupe de cresson dans le bol avec ce nez. Faut pas mettre une soupe de cresson dans le bol avec ce nez. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Ça me fait penser à mes tasses avec des dinosaures au fond qui ont l'air de... Oh, c'est trop mignon! Ils se baignent dans un bain de boue quand ils ont fini le cas. Oh, c'est trop chou ça! C'est vert la soupe de cresson. Ouais. Ah, ok, je vois. Va falloir boire de la soupe de cresson. Ouais, je pense que justement il y a un vert nez liquide, etc. On a. Quand est-ce que tu pars à Amsterdam, tata? Aujourd'hui? Mais ouais, j'ai demandé un giga mug. Parce qu'en fait, chez moi, j'utilise que des giga mugs. Et du coup, j'ai demandé un mug.
Un monstre. En fait, le nez, c'est la hausse. Le nez, c'est la hausse. Non, mais il y a un monde. C'est plus un tarin, c'est... Cyrano, je peux te dire qu'il est jaloux. Et du coup, j'ai demandé un nez et je vais avoir un nez. Entretien d'embauche. Oh, vas-y. Let's go, tata. Montre-leur, stonk, qui c'est la meilleure. Bon courage pour l'entretien. Si elle fait un bro, ça pourrait être des brora. En vrai. En vrai, il y a une strate, hein. Coucou Claire, comment tu vas? Comment ça va la Garfieldette? Envie de crevettes. Tu veux, Paume, un débrora? Alors moi je suis désolée, mais un débrora, j'imagine un bro avec une queue de rat. Hein. Bah, une queue de rat ou un tarin comme ça, je vois pas trop la diff. Hein. Non mais j'imagine, genre en vrai, un débrora, j'imagine vraiment un bro, tu sais, un peu claqué. Genre le truc, tu sens que c'est un rat, mais c'est pas un rat des champs. C'est un rat de Paris. Qui se balade sur le bord de la Seine tous les soirs, quoi. Genre, il est un peu précaire, le bro. Je suis désolée, Paume, mais le débrora, pour moi, je le visualise un peu précaire, un peu penché sur le côté, petit peu rouillé. Et avec... Tu sens la queue du rat, elle a souffert plusieurs fois, quoi. Le « en vrai, en fond » m'a tué. Ça va bien, merci Claire, ça va bien. On va se dire les choses, c'est nul à chier. Non mais je pense que ça peut être très bien. Ah non non non, non non, attention, j'ai pas dit que c'était pas une bonne idée. J'ai juste dit que c'était un bro un peu chum. Mais c'est cependant une très bonne idée, je trouve. C'est voilà, c'est un bro qui a du vécu. C'est pas ça, non? Genre il a... Ouais, putain, mais il a une âme, quoi. Il a passé la jeunesse. Il en a vu beaucoup sur les quais de Seine, il en a vu beaucoup. Il a vu les jeunes. Il en fait plus partie. Bon courage, tata. Je vais prendre du sirop pour Matou. Matou Rayuno. Oh, putain, c'est terrible. Qui me donne envie de dodo à fond. Est-ce que c'est un sirop pour la toux, genre qui a bon goût? Parce que moi, quand j'étais petite, je sais pas, je pense que j'étais pas la seule. Mais moi, quand j'étais petite, j'avais envie de torcher la bouteille. C'était trop bon, ces trucs. Alors qu'une chope. Bah là, c'est une chope que je vais avoir. Là, je... Sans déconner, oui. Ouais, en vrai, c'est une chope. Hein. Non, mais il y a plus d'un demi-litre. En vrai, dans mes mugs XL, il y a un demi-litre. Là-dessus, je pense qu'il y en a plus. Tu m'as demandé un gros mug. Ah, mais c'est exactement ce que j'ai demandé. J'avoue que j'ai fait la difficile. Hein. J'ai demandé un gros mug, j'ai demandé à ce qu'il soit fin. J'ai fait beaucoup. Le sirop au caramel, c'était... Le sirop au caramel, pas trop. Par contre, on m'a filé des pastilles dès que... plutôt pas trop mal. Ah ouais, des pastilles bof. Sirop caramel, moi je sais pas, c'était... Moi c'était plus... Putain, c'était à quoi les... C'était genre un peu fruits rouges. C'était extrêmement sucré. Enfin, il n'y avait pas un goût de fruits rouges. Ça avait un goût de bonbon, mais pas caramel. Un godet? Tu veux un godet, bébé? C'est un sacré godet. Merde. Hop. Des poutous assez faibles. Tu veux des poutous? Bah ouais. Ça prend c'est les poutous. Sympa. On accepte les poutous. Seven qui charbonne. Seven là, il lui reste 15 minutes. Seven, elle a 15 minutes avant d'aller mater Thor. Et par ouais, mater Thor. Nathalie Portman. Ah ouais, c'est vrai. Et par mater Thor, on entend mater Nathalie Portman. Hein. Trop belle, c'est pas là, j'espère de tout cœur que ton appareil ira mieux. Bah, je pense que c'est pas définitif. Dit-elle la larme à l'œil. On va faire quelques examens et on va. En vrai, Paume, Nathalie Portman. Les deux, tant qu'à faire, voilà. C'est... Les deux, franchement, on se plaint pas. Y'a pire. Un casting, bon, on a vu pire. Voilà, mais Nathalie Portman, c'est donc. Ouais, non, désolé. Ah là. À toute heure. C'est pas aux US où il y a des drogués au sirop pour la toux? En ça vrai, ça, si, je crois que j'ai déjà entendu parler d'affaires comme ça, ouais.
Ou justement, si, si, ça m'étonnerait pas. Non, mais elle est si stock. Elle a l'air ultra stock dans le film. C'est trop bien. C'est ce qu'on veut. On veut des ouzes qui sont stock. Même en France, de partout, hein. Justatine coupe banane. Ah, c'est peut-être coupe banane. Je sais pas. Je pense que c'est le genre de truc, tu le prends maintenant, c'est dégueulasse. Si c'est des sirops full codéinés. Ah ouais, bah oui, du coup, ça finit mal. Je suis en train de réserver des séances de ciné pour tous les jours de la semaine aussi, c'est vrai? Tu vas voir quoi? Je vais attendre ce week-end pour voir Thor en VO. Ah ouais, tu vas le voir en VO? Ouais, je en vrai. Ouais, on y va. Faire une porte pour Nathalie Portman, goal de vie. Faire une? Une porte? Pour Nathalie Portman? Oh là, oh. Ah ouais. Elle est fine, elle est fine, elle est fine. Ouais, Elle est technique, elle est technique. Ouais. C'est du fentanyl, il me semble, c'est un opioïde. Et quand Nice! on est gosse, on est là, genre une cuillère. Ouais, t'inquiète, la cuillère. La cuillère, c'est une bouteille. De la ligne, c'est de la codéine, il mange ça avec autre chose. Ok. Ah oui, mais tu m'étonnes, mais on était tous drogués à ça quand on était gosses alors. Coucou Cormoran, comment tu vas? Lui, s'il s'appelle pas Obélix, je sais pas trop. Un nom de. Un Non nom mais de la hanse, elle va jamais rentrer dans le placard! Il y a un moment pour faire une hanse pour que ça supporte quand même le truc, Oh, hein. elle est tirée, elle est jolie. Oui. Et attends. Je vais devoir construire un nouveau Mais placard pour avoir. non, j'ai pas fini. Je vous jure, je vous jure. Je peux en avoir encore un peu, c'est exactement ça. T'as pas bien rempli la cuillère. Non mais je sens qu'il m'en faut un peu plus là. J'ai mal à la gorge. Je peux avoir une cuillère? Le nombre de fois où j'ai dit ça à mes parents, genre, je peux avoir une cuillère de sirop? J'ai encore un peu mal à la gorge. L'odème placardman. Ah, super. Ah, c'est vulgaire en plus. Putain, je viens de refaire la même connerie. Et voilà, et voilà, et c'est vulgaire. Et ça insulte, et ça dit putain. Et oh là 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 là. 12 minutes pour. J'ai plus de lance. Le shot de chartreuse, tout, tout, t'inquiète qu'il était toujours bien rempli. C'est quoi, je vais pas. Ce sera un bol. Voilà. Attends, quoi? Oh les gros mots ça! Ça va en vrai, ça va. Pareil, j'ai prévu 5 films cette semaine. Mais vous allez voir quoi? Il y a tant de films bien qui sont sortis? Bien. Je préfère la verveine à la chartreuse. Ah, c'est pas tout à fait le même bail. Ouais, moi aussi. Non. Alors, je sais que tu mens, mais non, en vrai, je préfère la verveine à la chartreuse. Bah, pas moi. Bah, la verveine, c'est bon, et en termes de quantité, tu vois, tu peux quand même un petit peu plus t'amuser. Ouais, c'est sûr. Il y a peut-être un peu de verveine dans la chartreuse, c'est comme si t'en buvais, non? C'est tout. Seven, elle est en train de pleurer derrière. C'est une journée difficile, hein. J'arrive pas à faire rentrer ce. Il y a un fil là, il veut pas rentrer. Je vais péter un plomb. Je vais quitter l'école. J'espère que tu l'as. J'espère que vous l'avez. Bébert, je compte sur toi. Coucou Drum, comment tu vas? J'arrive pas à bien faire ce nœud. Moi j'ai vu en avant-première les Mignons 2 fin juin, j'ai kiffé. Bah Seven est allée le voir hier, en vrai c'était chouette. Oh, yes, bébé, tu l'as, ça me fait plaisir. Ah, à quoi? À quoi? À quoi, Drum? Drum, que se passe-t-il? Merde. Oh là là, vous l'avez, putain, je vous aime bien. En même temps, c'est le maître. Oh, non, mais je suis. Genre, vraiment, je suis profondément heureuse. Non, mais elle est en train de prendre ses photos. Ça va? Non, mais vas-y, prends-la, emmène-la chez toi aussi. Il n'y a pas de Tu veux prendre le souci. bureau, peut-être? Oh, ça va, je prends pas. On me voit même pas. On voit même pas ce que je fais. Elle est. Vous avez vu la petite annonce de la Zizi Kaka mixtape? Non, j'ai pas vu, c'est quoi l'annonce? J'ai pas vu. C'est qui? Aznavour? Ouais, c'est Aznamour quoi. Aznamour. Aznavour. C'est Aznamour.
Tu vas encore me dire que t'aimes pas le maître et me mettre un deuxième couteau dans le cœur. Non, 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 bébé, le maître, quel crack. Quel crack, le maître. Non, j'ai pas vu, c'est quoi l'annonce? Est-ce qu'ils font une tournée? Je sais, en tout cas, t'es proche de mon aisselle, j'espère que t'apprécies l'ambiance. Est-ce que je peux récupérer la palette qu'il y a derrière? Regarde, je prends les deux, même les trois. Merde. Ah, aïe. Petit concert le 4 novembre, sérieux? Mais trop bien. Ah, attention, je te jure, bébé. Je te jure, je promets. Filifin et filigro. Filifin et filigro. Ça marche, Nehru, bon après-midi. Vas-y, l'album où l'Odem apparaît dans un éclipse, exactement, exactement, El Famoso, tuk tuk. El Famoso. C'est vrai que je suis dans un éclipse de la Zizikaka mixtape. Enfin, on me voit pas vraiment, hein. Genre, j'apparais peut-être trois fois. De profil, vous vous ressemblez un peu, ou alors c'est peut-être les cheveux et les lunettes. Je pense que c'est les cheveux et les lunettes. Enfin, on nous a demandé si on était sœurs. Mais non, je suis pas sûre qu'on se ressemble. À part les cheveux, les lunettes et la connerie, je pense que... Oh, c'est léger, quoi. Putain, mais quel... Et la vulgarité aussi. Mais oublie ça. Oh non. Mignon, faut que je fasse des nerfs de speed, je pensais que j'avais fini, mignon. Mais il me reste 7 minutes. Merci, prof de solfège, pour le follow. Seven a oublié Théance. T'as une tête, j'ai une tête. J'ai une tête et des mains, j'ai une tête. Quand Arsène nous l'a dit, on était à 100% sûr qu'il se foutait de notre gueule. Sérieux, mais vous le saviez pas? Toutes les potières se ressemblent. Je pensais que vous l'aviez... Je pensais que vous le saviez déjà, bébé. Mais attends, mais Tarsi, il m'a spotted et il le... Genre, il a regardé le clip, en mode de regarder le clip comme ça. Et il s'est dit, attends, mais il y a l'Odem? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Tu dis pas, mais j'ai dit quand c'est sorti. Quand c'est sorti, le lendemain, on en a parlé vite fait. On en a parlé vite fait le lendemain. Coucou, prof de solfège, bienvenue à toi. J'espère que ça va bien. Hop, voilà la petite palette pour moi. Oui, mais trop drôle. Mais c'est trop drôle que genre il soit tombé dessus comme ça. Surtout que en vrai, c'est trop drôle qu'il ait spoté... Parce qu'on boit, genre, on... Ah bah j'allais vous montrer, mais... Il te plaît, le nouvel objectif? Alors... Droit au cœur. Dans l'idée, oui. Beaucoup. Mais le nouvel objectif, genre, actuellement, je peux vous le montrer. Hein. Je peux vous montrer le nouvel objectif. Actuellement, il est là. Voilà. Il est ici. Parle pas de choses qui fait mal. Voilà le nouvel objectif. Il est bien, hein. Il est gourmet, la danse dans le clip. On me voit pas trop dans... En vrai, dans le clip, je suis genre... Wouh. Mais heureusement, on n'a pas vu la danse. Parce qu'il y avait des moments, bébé, où... Mais je te l'ai dit, il y avait des moments genre où quand on tournait le clip... Genre, il y avait tout le monde en cercle et ils faisaient danser chaque personne une par une, quoi. Et du coup, genre, il y avait un moment où j'étais en mode solo. C'est quel clip? C'est le clip Nous sommes les Daft Punk de la Zizikaka mixtape. Maintenant, c'est Inception, t'es live. Ouais, du coup, en gros, il y a mon boîtier qui fait une erreur. Attendez, pardon, ça va trembler un peu. J'ai mon boîtier qui me fait une erreur. Et je sais pas trop pourquoi. Surtout, hein. Et du coup, ben on est sur... Merde, pardon. Et du coup, il veut pas marcher. Donc là, on est sur mon téléphone. En vrai, ça passe. Ça passe. Il y a pas de bruit de mise au point. Finalement, il y a un bail. Je t'avais pas vu. Si, elle est là, promis. Je suis en rue, je peux déjà plus... Oh, courage, Octo. J'étais toute seule au milieu et ils ont pas gardé. Oui, j'étais toute seule au milieu. Mais juste moi en plus, et ils ont pas gardé, heureusement. C'est très mignon. Mais il y a Kae aussi. En fait, il y avait... Quand on a fait ça, il y avait Kae.
Bulldop, Lizzie, Two-Faced Lizzie et moi. Du coup, on a toutes dansé au milieu, mais ils ont pas gardé, Dieu merci. Ils ont gardé un vrai danseur, quoi. Charlotte, est-ce que t'as encore le chat? Ouais. Il y a une question pour toi. Moi, je dis ça parce qu'avec deux cams, les possibilités sont décuplées. Non, mais oui, mais j'aimerais que ça, ce soit, ça reste ainsi. C'est une question très sérieuse qu'elle te pose. Si jamais tu croyais que c'était une blague. Qu'est-ce que tu veux comme cupcake? Rien qui est au chocolat. Ouais, ça j'ai déjà dit. Rien qui est au chocolat. Il y a pas des, y a pas tes préférences? Bah, je sais pas, j'en mange rarement. Donc j'aime bien genre les... Je sais pas. J'aime pas trop le citron. Je sais ce que j'aime pas. En vrai, genre fruits rouges, j'aime bien. Ou vanille, j'aime bien. J'aime pas trop le citron. Ah merde, c'est Freeze. C'est Freeze, Drum, elle entend pas. C'est juste chez toi, Drum, ou... C'est Freeze pour vous? J'entends rien. Spotted, c'est trop bien. Ah, t'as trouvé! Bah, en vrai, il y a la chemise rose. Pas Freeze? Ok. Alors, attends, on va écrire. Alors, on va écrire les préférences de Seven. Désolée, vous avez mon dos. Pas de citron. Pas de chocolat. Ouais, j'aime bien genre les vanilles classiques, quoi. Vanille classique. C'est chouette. Ouais. Le truc aux fruits rouges, c'est chouette. Truc aux fruits rouges. Aussi, c'est chouette. Je réfléchis, il y a quoi comme rouge, je te dis si j'aime pas. Je sais pas, il y a des trucs genre beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, ça va, ouais. Beurre de cacahuète, nice. Mais souvent, c'est fait avec du chocolat, donc faut éviter. Ah, ouais. Nice. Mais sans chocolat, quoi. Caramel? Caramel de ouf. Caramel de ouf. La liste, hein. Caramel, ça, c'était validé. Nous sommes des popotiers punk, évidemment. Bah nous, on est des popotiers punk, bien sûr. Mais oui, je crois qu'on... Et Ezou, je crois qu'on voit genre 3, 4... Enfin, on me voit. On voit ma chemise 3 ou 4 fois. Généralement, je suis genre les bras en l'air, tête baissée. Et c'est tout. C'était marrant, en vrai. Il était 17h... Il était 17h... Et essayer de faire genre qu'on était en boîte, quoi. Seven, elle aime pas le chocolat? Non, pas du tout. Je suis la seule à pas aimer le caramel à chantilly. Alors, la chantilly, non. La vie, la chantilly. La chantilly, c'est bon. La chantilly, y a pas à pas caramel, aimer. Caramel, moi, je suis pas forcément emballée. Je comprends qu'on aime pas, parce que c'est du sucre à donf, tu vois. Ouais, mais c'est surtout de la légèreté, de l'onctuosité, c'est un petit nuage, tu vois. Ah, non, mais moi, je suis hyper fan du caramel, j'adore ça. Mais je comprends qu'on aime pas. La chantilly, je comprends pas. Ah, non, le caramel, oui, je suis d'accord. Moi, le caramel, je suis pas trop fan. La chantilly, la vie. Chocolat noir, c'est la vie, sinon, moi... Ouais, Seven, sucré, pas sucré, chocolat, à partir du moment où c'est du chocolat, c'est du chocolat. Non, si, ça va, il y a les Kinder, j'aime bien, mais ça n'a pas beaucoup de chocolat, quoi. Faut qu'il y ait beaucoup de lait pour combler, quoi. Ouais. Genre, le grand drame de la vie de Seven, c'est quand elle commande un cappuccino et qu'elle oublie de demander sans le chocolat au-dessus. Et à chaque fois, elle regarde, elle a fait « Oh putain, j'ai encore oublié. » C'est toute ma vie, en fait. Ouais, je commence à connaître, hein. En train de t'enjailler. Oui, en vrai, c'était cool, c'était marrant. Je suis contente, on me voit pas trop non plus, parce que c'était... Merci. Parce que c'était... Enfin, en vrai, je sais pas danser, je suis éclatée au sol. Donc c'était sans doute légèrement humiliant à la fin. Mais ça va, c'est chouette, c'est marrant. C'était simple. En vrai, c'était marrant, et c'est marrant comme anecdote. Mais je trouve ça très marrant que Tarsi m'ait spoté sans même le savoir, quoi. Enfin, sans savoir que j'étais dedans. Du coup, j'ai refait le clip et j'ai regardé tous les trucs, toutes les scènes pour faire des screens de là où j'étais. Allez. Pour confirmer. Sur ce, moi j'y vais. C'est bon, t'as fait tous les tarins? Ouais. J'ai cru que j'allais pas arriver à faire les deux derniers. En vrai, je suis grave contente des deux derniers, ça va trop bien. Sur le bol à pâte, ça va être... Je viens d'aller voir le clip, ça... Oui, ça bouge dans tous les sens, c'est pour ça qu'on voit assez peu. Je suis désolée, j'ai bientôt fini. Hein? Je suis désolée, j'ai bientôt fini. T'inquiète. Ouais, en vrai, on... En fait, genre, j'apparais peut-être 4 ou 5 fois. Ok. Mais, genre, c'est une seconde, tu vois. C'est juste, faut repérer la chemise rose. Mais, enfin, c'est à peine une seconde, donc...
Faut j'ai un clip qui atteste de tes skills en danse. Tu veux dire un clip sans son? Pas comme Véronique. Elle est belle. Elle est belle. Pour moi, c'est aussi un nounours IRL. En tout cas, il a l'air grave doux. Bah, en vrai, je les ai pas. OMG, la blague est validée, merci beaucoup. Je les ai pas trop vus, mais oui, ils étaient trop gentils. Enfin, tout le monde était très gentil. C'est vrai que Pandas avait l'air genre très nounours. Chemise rose sous les néons bleus, exactement. Je reprends ma niflette. Oui, oui, bah, de toute façon. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Hein. Have fun. Ça manque de dab après la blague. Je sais pas vraiment daber. Enfin, je pense que c'est. Mais j'ai jamais vraiment fait le dab. Tu dabes comme personne, toi? Non, moi j'ai jamais dabé de ma vie, je crois. Ouais, c'est pareil. Je pense que je sais, mais tu vois, j'ai jamais dabé. Ok. Ah, faut que je t'achète une palette. Ouais, c'est 65 euros. Je tente. Non. Non. Merde. Tu sais que j'ai eu un moment de doute, j'étais vraiment regardée en mode pardon. Mais j'ai pas le budget. Mais attends, mais merde, attends, j'avais pas. Je m'y attendais pas. Mais j'avais prévu genre 30, un truc dans le genre. Combien? Paume, j'ai dit combien? 118. Je crois que c'était 34. Ok. Je te fais. Je crois que c'est 34 et 40 la petite. Passe au meuble? Bah, sur mon téléphone. Ouais. Tu veux que je te fasse un virement, Pierre? Non, mais tu me paieras demain ou okay. Un truc. Okay, t'inquiète. Tu veux partir avec maintenant de suite? Bah, ouais. Ok, bah voilà. Ouais, super, merci. Yeah. Elle m'a volé une palette. Non, je l'ai acheté. Elle a pas payé, vous avez vu, hein. 34 la petite et 40 la grande. Smart, ok. Je peux faire des achats vendredi ou pas? Oui, tu peux si tu veux. Tu peux faire des achats si tu veux. Ah, c'est pour ça qu'il m'a récupéré. 42 milliards, oui. Parce qu'elle vient récupérer un truc. Et elle ramène des trucs. Et bah généralement, Drum, quand elle ramène un truc... Enfin, quand elle récupère un truc, elle ramène des trucs. C'est bien ça! Bon, sur ce, passez une bonne journée. Merci! Une bonne fin d'après-midi. Merci! Et bon ciné! Ouais, merci! Profite bien! Oh là, t'inquiète pas! Ça va profiter. Bon, on a fait les palettes. Ça va profiter bien. Go faire un Débrora qui dab. Let's go! Coucou Melt, comment tu vas? Bon matin, j'ai été validée par Seven. Ouais, je crois. Je crois. Bon, on a fait les palettes. Lornier en lurk. Bonne sortie du lurk à toi. Et on va se mettre sur le tour. Je vais bouger ça. On va s'amener au tour. Du coup, on va dire adieu. Ça me donne envie d'acheter une palette pour reprendre la peinture. Ah, oh, mais oui. Let's go. Je vais les mettre... Ouais, elles seront en vente aussi. J'ai pris toutes les photos normalement. Mais en vrai, c'est trop chou si ça vous donne envie de faire de la peinture. C'est trop bien. Elles font un joli son, les palettes, c'est vrai. Du coup, ça, on va l'enlever. Hop, adios. Tu as fixé tous tes tarifs? Non, j'ai pas tout fixé. Il va falloir que je m'attelle à faire ça là, dernièrement. Enfin, il va falloir que je m'y mette. Je vais vous emmener. Alors attendez, on va bouger ça. Je vais vous emmener par ici. Ouais, je le cadre du micro là. Merde, on est allé un peu trop loin. Hop! Et on va tout ramasser. Désolé. On n'a jamais été connu pour la douceur ici. C'est pas maintenant que ça va être. Hop! Quel enfer! Mais quel enfer! Mais je suis vraiment éclatée au sol, hein. Je suis désolée. Hop! Et voilà, c'est pas trop mal là, non? C'est pas mal? Alors, attendez, vous avez le micro ici. Alors si on a le micro ici, ça veut dire qu'on va tourner ça par là. Et voilà, là on est bon. Regardez, il faut qu'on tourne tout ça du coup. Il y a les donuts, il y a les coupelles, il y a le presse pamplemousse.
qu'on va essayer de tournasser dans une coupelle, ça, dans un donut, ça va être un désastre, je pense. Mais on va tenter. Elle sonne la terre cuite sans fissure. Oui, elle sonne la terre cuite sans fissure, en effet. Ça, pour ça, tu as raison. Ouais, je pourquoi t'es bloqué, toi? Ah, parce que t'es là. Hop. Attendez, je bouge ça pour pouvoir voir ce qui se passe. Et avant de tournaser sec, merde, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, ouais. Avant de tournaser, je vais faire une petite pause pipi. C'est vraiment le genre, ce live aujourd'hui n'a aucun sens, hein. Vas-y, tourne. Let's go, ça tourne. Je vous fais une toute pause pipi. Est-ce que je peux vous mettre de la musique pendant la pause pipi? Hop. On va mettre une petite lofi random. Hop. Et j'arrive tout de suite. Vous pouvez bouinguer. Tu ramènes une ardoise vendredi? C'est vrai? Coucou Elisra, j'arrive tout de suite. Thank you.
je sors de l'eau, je vais sortir l'iPad pour... Depuis quand il y a de la musique ici? je peux mettre de la musique un peu. Hop. Ok, c'est bon. Vous êtes là. Coucou Tsum, comment tu vas? Mais parle là, écoute. Fallait pas dire de trucs pendant que j'étais encore là. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Truc. J'ai des outils. Ah. Tout va bien. Ok. Ça a changé ici en une semaine. Ouais, ça a surtout niqué un boîtier en une semaine. Ah, ça a surtout cassé un boîtier en une semaine. En plus, il y a de nouvelles émotes que j'avais même pas vues. Ouais, il y en a... Par la liste de 9 médecins à avoir. Après mon rendez-vous de ce matin. What? Qu'est-ce que c'était? Merde, pardon, je vous ai frappé. What? Hop. Est-ce qu'on zoome un peu? Peut-être. Ok. Pas trop mal. Ça va? J'espère que ça va, Tsum. Mais ouais, il y a quelques nouvelles petites émotes. Ok. Au fait, on connaît les 5... Et... Alors, attends. On connaît les 5 assauts du Z-Event. C'est Sea Shepherd, la Ligue contre la protection des animaux. WWF, hein. Time for the Planet et Sea Cleaners. Ah, en vrai, je suis contente qu'il y ait Sea Shepherd. C'est pour le truc qu'on avait parlé. Ah, c'est commencé les démarches, du coup, ça va être long. Ok. Bon, c'est chouette si t'as commencé les démarches. Ouais, j'imagine que ça va être long, mais c'est cool. Plus t'attends, plus t'attends, plus c'est long. Mais c'est cool. C'est cool. Je pense que c'est... J'imagine que c'est un peu stressant et beaucoup, beaucoup de choses, mais trop bien. Le peuple a gagné Naruto finalement. Absolument, Marisson. Et coucou, Sirgiz, comment tu vas? Bon, alors je me suis dit, parce qu'en fait, ça... Genre, on peut pas le tournaser comme ça. Parce que du coup, ça, c'est trop. Donc, je me suis dit que j'allais, genre, recentrer ça. Et j'allais le mettre dessus. Je viens de m'endormir de mon PC comme une merde, c'est vrai! La petite sieste là, hop! Je sais pas trop à quel point ça va tenir ou pas. Bon, on va essayer. En plus, alors c'est plutôt un presse-pamplemousse que j'ai fait là. Mais c'était pour tester. Disons que c'était pour essayer. Enfin, et voir un peu comment ça se faisait. Mais il va falloir voir un peu la taille. Je sais pas si il va rester. Hein. T'es au fond du gouffre, sérieux? La sieste, ça te va pas? Moi, perso, la sieste, ça met encore plus dans le mal. Ouais, c'est ça. Là, le tournage, en gros, c'est les finitions. Un presse-pastèque. Ça se tente, hein? Petit presse-pastèque. Hop. J'espère que vous voyez. J'espère que ça va à peu près la vidéo. La sieste non préméditée. Ah ouais, moi, ça me fatigue encore plus. C'est vrai qu'en plus, t'avais pas prévu. Et ça marche de le tourner dans un donut. Merci beaucoup, Sirgiz. Bah, ça reste
C'est quand même ma collection principale, celle-ci. Ah. Je suis malade, si je sieste, c'est le mal. Moi, je suis pareil, que toi, Drum. Si je sieste, c'est mort. C'est trop satisfaisant, je crois que je vais tournaser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Est-ce qu'on fait un petit pied? Non. C'est les bestes vagues. Oh, trop bien, profite bien. Profite bien de tes vacances, Drum. Bon puzzle! Merci Claire. Hop. Ben voilà. Petit Oh, c'est trop chou. C'est tellement mignon. Voilà un petit presse-citron. De la taille d'un pamplemousse. Hein. Là vraiment c'est un citron maman. On s'arrête ici, mais peut-être que. Mais c'est plus. Ah, c'est un peu grand quand même. Hop, et du coup maintenant. Merci Isoro. Maintenant on peut tournader ça. Sirgis, ça fait. Alors ça fait 3 ans que j'ai commencé à faire. Enfin un peu plus. Non, ça va faire 3 ans et demi que j'ai commencé à faire de la poterie. Et après. Du coup, ça fait pas 3 ans et demi que c'est mon métier. Hein. Mais depuis que j'en fais, j'ai commencé à me former pour. Hop. Et du coup là on retravaille l'autre côté pour essayer d'avoir un truc bien rond. Et avoir un vrai donut.
rigoler. C'est un donut bébé. C'est Hop, attends. C'est ça. Petit bougeoir maison Pazonia. Du coup, ça commence par un donut. C'est des canes. Si oui, il y a ça aussi. Ça peut c'est l'autre nom. Putain, maintenant c'est plus des bougeoirs hein, c'est des canes, c'est terrible. Merci, super mousse. Ah, mais du coup, la première étape, c'est de faire ça. Un truc à peu près rond. Et en gros, ensuite, je vais couper en deux. Ça, je pense que je ferai ça la semaine prochaine. En gros, ça, je vais tout stocker parce que je pense que demain, j'aurai pas trop le temps. Et bon, c'est pas parfaitement rond, mais c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, je coupe en deux. Et du coup, là, ça m'en fait deux. Et ensuite, je vais venir rallonger un petit peu de chaque côté. Mettre un petit pied, le cercle au milieu et les piques. Pour pouvoir faire des canes ou des donuts, des petits bougeoirs. Parce qu'en soi, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple de tourner cette partie-là. La forme est très rigolote comme ça, oui. Parce que sinon, si c'était à faire tout au modelage, ce serait un peu chiant. Enfin, ça prendrait pas mal de temps. Coucou Nelrax, comment tu vas? J'ai commencé à faire ma bâtisse, ça fait 2 heures, j'en ai marre. Du coup, je viens de regarder des donuts en terre. Eh ben écoute, on est en train de faire l'autre côté là. En vrai, on a surtout passé 1 heure et quart à essayer de régler des problèmes techniques. Et là, c'est le tournasage des donuts. Et il y a aussi les petites coupelles et quelques mugs. Pas mal ça. Hein. Tu as sûrement dit mais j'ai quitté mon ordinateur quelques instants. Cette donut sert à quoi? Ils servent à faire ce que tu vois derrière. Hop. Ça. Petit bougeoir. Ça c'était un prototype. Mais du coup voilà.
Ensuite, je vais les couper en deux et je vais les retravailler pour faire ça. Aujourd'hui, mon chat a 11 ans. Oh, sérieux, c'est un papy chat. Joyeux anniversaire à ton papy chat. 11 ans. Quel pépère. Puis elle est une petite mémère, mais elle a encore du peps. C'est la mémère, c'est le meuble de Twitch aussi, la mémère de Twitch. Un joyeux anniversaire à Bulle. Il n'y a qu'un seul meuble de Twitch, c'est le bimeuble. Et ouais, mais le bimeuble a un chat. C'est le chat meuble. Ça a un sens. Il était là, la création. Il a tout vu, il a tout fait, ce bimeuble. Regarder stream avec moi des fois, donc oui, elle aime bien Foki. Oh, trop mignon, c'est le charmoir. C'est trop chou, le charmoir, j'aime beaucoup. Ça passe l'image avec le téléphone? Tous les ans, il y a les feux d'artifice pour son anniversaire. Oh, trop bien. Du coup, elle doit se dire que les feux d'artifice sont pour elle. Ou alors, elle aime pas. Ça la fait chier. Coucou, Griffus. Comment tu vas? C'est toujours aussi hypnotisant. Je sais pas s'il y a des freezes ou des drops. J'espère qu'il n'y a pas trop de lag ou quoi que ce soit. Oh merde, que se passe-t-il, Griffus? Pas de lac chez moi, ok. Elle aime pas, elle va dans la chambre de Daddy Meuble pour se cacher. Oh non. Ah, juste le coup de chaleur. Oui, bon, le coup de chaleur, ouais, ça fait pas du bien. Aucun lac ni frise chez moi. Ok, ça va. Parce que je pense que... Je pense que si ça ne vous dérange pas, on va être comme ça pendant un moment. Je crois. J'ai bien peur. J'ai bien peur que ce soit comme ça pour un moment. C'est trop chou, je suis en train de faire un gâteau de donut. Attendez, regarde. Ah si, vous le voyez un peu. Attendez, je vais le mettre là. Le gâteau de donut. Viens.
Hihihi. C'est trop mimes. Le gâteau Michelin. C'est exactement ça. C'est trop satisfaisant à faire ce truc. Alors un machin tout rond là. C'est trop bien. Ça fait déling déling. Ah merci pour l'hydratation Beamer. Hop. Merci beaucoup. Trois donuts, parfait. Coupelles. Bon, elles sont un peu sécos les coupelles. Hein. Elles ont été un peu oubliées. Hein. Ça fait depuis ce matin qu'elles attendent. Merde, on avait pris des mesures pour ça. On va faire
oui, c'est vrai que cet outil, il est cassé. J'arrivais sur Twitch, le Twitch RFR il y a presque 7 ans, car je suis des pages Facebook d'art et j'avais vu qu'elle streamait. Et deux, car c'est l'une d'entre elles qui m'a fait découvrir Foki en mars 2020. Voilà pourquoi je suis bimeuble. Et ben ouais. T'étais sur le Twitch art à ses débuts. T'as vu la naissance? J'ai une petite boule d'angoisse de mon boîtier. J'ai découvert plein de chaînes encore aujourd'hui comme la tienne que j'ai connue grâce à Ava. C'est vrai? Grâce à Ava? Je pensais que c'était via Foki. Tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis combien de temps? Je l'ai depuis 1 an et demi. 1 an et demi? Ou plus? Je l'avais quand je suis arrivée ici. Je pense, je crois, 1 an et demi. Merci Louche31 pour ton follow. Merci beaucoup. Comme les garanties sont 2 ans minimum, maintenant normalement ça devrait le faire. Ouais. Ouais, mais je sais pas si. Enfin, en vrai, je sais même pas si. Tu sais, moi, le mien, il est dans un environnement qui est pas terrible. Donc, je suis même pas sûre que. Au niveau des garanties, il soit ok. Hein. C'est le stream qui l'éclate, je sais pas trop comment en faire. Ça tu dis pas de toute manière. Oui, mais ça se voit, je pense. Je pense que ça se voit. Un petit coup de polish avant d'y aller, ouais. De toute façon, je pense que j'appellerai. C'est prévu un mug XL fleuri sur la boutique. Non, c'est pas prévu. Non, la collection fleurie, j'en fais assez peu. Et du coup, je la limite à juste quelques formes. Donc non, j'ai pas prévu de faire des mugs fleuris sur la boutique. Et puis les mugs de base, ils font déjà 400-450 ml. Ils sont déjà beaucoup plus que... Je leur dirais pas que je filme avec toute manière intense. C'est pas leur problème, ouais. Oui, mais même au-delà de ça, c'est juste si c'est vraiment un problème à cause de ça.
Ben, ça veut dire que je peux pas l'utiliser pour streamer. Et donc, je sais pas trop quoi utiliser, quoi. Ils sont si grands, on dirait pas. Ouais, si, ils font. Attends, je peux remesurer. Mais là. Hop. En fait, ils sont surtout assez fins et légers. Donc hop, un mug classique. Et si on le remplit d'eau. Donc, pas à rabord pour autant. Ouais, on a 400 ml. 400 ml pour un mug. Ouais, genre, même là, il est même pas rempli à ras-bord. Hein. Mais voilà. Là, on a 400 ml. J'ai mon dernier Canon durant 12 ans. J'ai filmé avec. Je lui ai fait voir toutes les couleurs et j'ai jamais eu de soucis. Donc, je pense pas que ce soit lié à ça. Je sais pas, on m'a dit que, genre, streamer, ça pouvait. Mais pourtant, j'ai vu pas mal de. Enfin, j'ai vu beaucoup de personnes aussi streamer avec des boîtiers Canon. Mais que ça pouvait brûler le capteur. Et que du coup, c'était peut-être à cause de ça l'erreur. Que l'erreur elle était liée au capteur et que ça pouvait être à cause du stream, mais en vrai mais le truc c'est qu'il est en mode webcam, mais que du coup c'était peut-être à cause de ça. Mais bon, après c'est pas non plus, enfin je fais pas non plus des streams de 13h tous les jours, donc des streams de 13h. Bah, j'en fais pas, je prends. Ah, merde. Non. C'est pas ce que je voulais dire. Allez, allez. Dommage, tu l'as dit. Écoute, pour ça, il faut qu'on ait un matos qui marche. Si un jour on a un matos qui marche complètement, peut-être un jour on fera une journée entière. Hein. Qui sait? Mais c'est trop stressant le matériel. Surtout quand ben, c'est du matos qui est important pour mon travail. Genre, même hors stream, hein, mon appareil photo, j'en ai tellement besoin. Je crois que j'ai pris toutes les photos produits, presque. Je crois que j'ai pris toutes les photos produits. Donc en soi, même si il me fait l'erreur encore, je crois que c'est bon quand même. Enfin, je crois que je suis pas trop dans la merde pour ça. Comment tu fais des reels sans Canon? Ben ouais, comment je fais des reels? Putain. Me dis pas ça, Weber. Non mais c'est vrai, j'en ai, enfin genre toute ma com elle est avec mon appareil, elle est avec mon boîtier. Les streams je les fais avec, mais du coup si je nique mon appareil avec les streams. Mais il y a trop de personnes qui font des streams avec des boîtiers Canon et j'ai jamais vu de problème. C'est stressant.
C'est horrible, ma tête, elle, je fais que y penser, c'est terrible, faut que j'arrête d'y penser. Faut se concentrer sur les coupelles. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Mais grave, on a trop besoin des... On a besoin des réels. Les reels. Les reels. Franchement, je fais n'importe quoi. Ah, je fais n'importe quoi. Il va finir à la poubelle. Faut que je pense à Philbert. On va penser à Philibert. Comment j'en mets partout? Imaginez B-mug, il va falloir faire des mugs pour nommer après, d'après tout le monde en fait. À quoi ça ressemblerait un B-mug? Est-ce que ce serait genre un immeuble avec une anse? Un petit immeuble avec une anse en vrai. Il y a un concept hein. Un meuble, un mug chaise. Comment tu vas? J'ai pas de mug chez moi. Je suis pas con, mais je suis fauchée. Donc rip deux mugs qui font un même mug. Il a quatre pieds et un petit tiroir pour le remplir. Oh mais non. Une petite chaise. Peut-être que Beamer, tu peux commencer ta collection avec le B-mug. Comment tu vas, requin? Rossi est à moitié de géode de la Villette. La géode de la Villette. Elle ressemble à quoi la géode de la Villette déjà? Ça va bien, merci beaucoup. Tout repose sur toi pour commencer la collection. Il faut envoyer un petit message à Seven. Peut-être que ça l'a inspiré. Une sphère en miroir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, hein, on y est presque. Hein. Mais regarde. On a des cerceaux. Le Just Jongling. Ça part, hein, on peut faire ça. Faudrait que je paye un minimum, j'ai que 150 balles sur mon compte. Ouais, ça fait... pour un mug, après il reste plus beaucoup en soi pour un mug fait main malheureusement.
Je suis sûre qu'il y en a qui font des mugs en forme de meubles. Je pense qu'on n'est pas les premiers à y penser. J'avais vu un... Il y avait un truc qui était très chou. Un mug. Enfin, j'avais vu genre en reel sur Insta. Où c'était un petit bonhomme qui tenait une tasse à café. Et genre, il y avait un trou dans le mug. Donc, genre là, en gros. Merde, il faut que je fasse attention. Là, il y avait un petit mug sculpté qui était creux. Et ici, il y avait la bouche du mec. Donc là, il y avait ses yeux, la petite bouche avec un trou. Donc quand tu versais ton café, ça venait couler dans le mug. Et ensuite, quand tu buvais en buvant de ce côté-là, donc en le penchant par ici, ben lui-même buvait son propre café dans sa propre petite tasse. Philibert et Jérémy, c'est des gigabangers. Non, mais je pense qu'elle va être trop bien, elle va être trop bien, sa collection. Elle va être très chouette. En gros, là, elle est en train de préparer toute une collection que je crois elle aimerait mettre en vente à la rentrée, genre fin août, début septembre. Et c'est toute une collection avec des nez. Donc des mugs, des bols, des assiettes et tout, avec des nez. Peut-être, et je crois qu'elle veut faire des vases aussi. Donc on aura tout ça... Là, elle a les 2 mois de l'été pour faire la collection, le site, etc. Et pour lancer sa première collection. Donc on a déjà Philibert et Jérémy. Mais c'est trop bien. En fait, elle en faisait... Quand elle avait des projets créatifs pendant son CAP, elle faisait déjà des trucs avec des nez. En vrai, combien ça coûte en général un mug fait main, qu'à mon avis c'est le 23 septembre. Ben, tu vois, par exemple, moi, mes mugs, ils sont entre 34 et 48 euros. C'est pas des tasses, mais ma maman avait une collection de théières. Oh, trop bien! Elle en avait en forme de fauteuil! Une forme de glacière, comme le vendeur de glace. Ah, les... oh, c'est trop chou! Avec une dame qui tient une ombrelle à côté. Non, mais trop bien! En forme de maison. Et j'ai vu, là, pendant que je donne mes cours le jeudi, il y a un cours de modelage à côté, et ils ont fait des théières. Et il y a une des élèves qui a fait une théière en forme de... Ah, dans Animal Crossing. Justement, l'éléphant qui a une théière. Comment elle s'appelle? C'est pas Héloïse? Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est elle-même une théière, et du coup, elle l'a fait en théière. Donc avec la petite tête, avec le petit chapeau, la trompe et tout. Comment ça se passe pour la terre quand il fait très chaud? Tu dois tâter ton processus en l'hiver ou l'été? Bah en gros, en été, ça va sécher beaucoup plus vite, donc il faut faire attention. C'est surtout ça, il faut faire attention à mettre... je mets les pièces sous plastique, je contrôle un petit peu plus si jamais il faut. Mais en général, l'été, la prod va un peu plus vite parce que du coup, ça sèche plus vite. Mais oui, c'était trop chou, elle est trop chou, cette théière. Pourquoi pas des mugs sous forme de fruits? Il y en a déjà pas mal des gens qui font ça aux maquis, je pense. J'ai déjà vu des mugs en forme de fruits. Même des fois des trucs un peu kitsch et tout. Mais je trouve ça trop bien, moi j'aime trop. À en faire, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse de faire ça. Mais le résultat, je trouve ça trop fun. Tu sais quoi, avant de te lancer dans la céramique, c'est la première chose que j'ai fait en sortant de mes études. J'ai commencé directement. Donc je finissais mes études avant. C'est la chaîne de poterie que je regarde. Bah après, il y a assez peu de chaînes de poterie sur Twitch. Mais
Moi, je suis pas mal de gens qui font de la poterie du coup sur Instagram et tout, où là, il y a pas mal de choses. Mais sur Twitch, il n'y a pas beaucoup de poterie. Hein. Sur le Twitch FR, encore moins. Coucou Quadra, comment tu vas? Genre un mug avec un dessin de meuble avec un trou en forme de logo Twitch et un pinceau serait dans les 80€ environ du coup. Oh putain. Alors ça j'en sais rien. Je sais pas du tout. Alors personnellement je fais pas du tout de commandes personnalisées comme ça parce que ça prend un temps pas possible. Mais non, ce serait sans doute plus, je pense. T'as fait des études de poterie? Non, j'ai pas fait d'études de poterie, j'ai fait un bachelor en beaux-arts dessin. Et en gros dans mon école d'art, Il y avait un atelier de céramique. Et donc j'en ai fait, mais genre pendant 5 mois avant la fin de mes études. Et j'ai décidé que c'est ça que je voudrais faire. Donc ensuite, quand je suis rentrée en France, parce que j'ai fait mes études à Londres, j'ai acheté un tour. Donc j'ai acheté ce tour-là. Et je me suis entraînée pendant un an à peu près, avant que ce soit potable. Et ensuite j'ai commencé à vendre et là maintenant ça fait... du coup ça c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Il y a 3 ans maintenant que j'ai acheté ce tour. Et il y a 2 ans et demi je me suis installée dans l'atelier où je suis maintenant. Mais j'ai pas fait d'études de poterie, j'ai pas de formation. Un pot table en forme de table. À l'aide, me faites pas faire des choses comme ça. Monsieur Bébert, tu peux faire des potables. Je me suis fait les Beaux-Arts et j'ai installé un atelier de céramique l'année après mon diplôme. Ah, c'est vrai. Oui, aux Beaux-Arts. Enfin, je sais pas quel Beaux-Arts tu as fait. Mais je sais que souvent dans les Beaux-Arts, ils ont des ateliers de céramique. Mais ils ont souvent des ateliers de céramique, mais ils ont pas de tour. De la poterie potable. Non, mais Quadra, t'inquiète que Bébert. Il a sa carrière d'humoriste, il l'a jamais raté. C'est un grand humoriste. Il nous enchante tous les jours. Quadra, t'es team Nikon, toi, c'est ça? Dans les boîtiers. Je vais demander à toutes les personnes qui passent, qui je sais font un peu de photos. Mais toi, tu t'y connais en Nikon seulement. Fuji depuis quelques années et précédemment Nikon. Ou un Podan. Oh putain. Vous êtes vraiment que des humoristes ici. Hein. Vous n'êtes pas des potiers. Hein. Tu veux que je fasse comme inverse? Je vais chercher de la gadoue dans la résidence pour faire un potable. En vrai, si c'est une jolie faïence rouge, vas-y, hein, bébé. Putain, inverse, c'est vrai qu'elle est trop belle sa faïence. J'espère qu'il refait des pots là. Hein. J'espère que s'il n'est pas ici, c'est parce qu'il est en train de faire des pots. Hein. Des huit pouristes. J'en peux plus. Je suis trop nerveuse pour supporter ça. Aïe aïe aïe. Heureusement que vous avez un humour comme ça. Ça rend la vie plus douce. Ok. En vrai, si je fais ça, mon coloc va encore me gronder. Je fais que des bêtises à l'appart ces temps-ci déjà. Quand il va voir mon pied, il va me chucher. Parce que ton pied, il a vraiment une tête bizarre du coup.
ou t'as juste mal. Après, je comprends, tu te juges, mais... Après, la terre, ça se nettoie bien. L'attaque quand, Sévan? Parce que bon, elle a la piscine dans les Alpes, ça va un temps. Eh non, elle a bossé cette semaine. Hein. Elle a bossé cette semaine. Elle a fait pas mal de trucs. Tu veux que je te montre l'étagère de Sévan? Tu aimerais faire un stream interactif où tu tournerais en regardant que le chat te dirait à gauche plus haut. Et avec le délai, le rendu serait catastrophique. Je pense que c'est la pire idée, requin. Avec le délai, ce serait un enfer. Surtout que, en soi. Alors, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit. Mais on peut tourner sans regarder. On n'a pas. Enfin, ça aide vachement, hein. Mais on n'a pas vraiment besoin de ses yeux pour tourner. Parce que c'est plus une question de sensation. Avec plaisir. Ok, attendez, il faut qu'on montre l'étagère de Sévan. À Quadra. Alors, je peux pas trop bouger le trépied. Mais. Une taupe plus tard. Je peux pas déranger. Trop tard. Trop tard, je me suis levée. Je me suis levée, alors il va falloir que tu regardes les pièces de Sévan. Hop. Attends. Je peux pas te remonter parce qu'il y a le micro sur le même trépied. Mais. Hop, donc ça c'est mes pièces évidemment. Et voilà l'étagère de Sévan. Ça charbonne un peu quand même. Bon, c'est flou je pense, mais ça bosse hein. Et ça bosse dur. Il y a des assiettes creuses. Ça c'est mon gigamug à moi. Il a un tarin. Celui-ci, il est pour moi. Hop, non, par là. Ouais, ici. Il a un tarin, ma gueule. C'est une anse. Là, c'est une anse. On peut le tenir comme ça. Mais voilà, si, elle a bossé. Hein. Elle a bossé. Voilà, c'est bon, on a eu la vérification. Ok, on repart. Ça gigote, ça bouge un peu. Vous avez eu un petit zoom sur le sol, bien dégueulasse. Hop. Parfait. C'est bon ? On est bon ? On est bon. C'est bon. On est we back. Il a gonflé, il a plein de couleurs. Ah putain, ça doit faire mal. Je sais. J'aurais pas osé le dire, Quadra. C'est un poulet, le truc marron. Oui, elle l'a fait il y a un moment, bébert. On travaille au même endroit, mais on travaille pas pour la même chose. Fogas, enfin, elle fait sa production. Les petits nez, ils sont trop mignons. Non, mais ils sont trop trop choux. Ces pièces sont vraiment trop choux. Mais du coup, on bosse ensemble, mais hop. Elle fait sa prod à elle. J'avais vu des mugshots que t'avais fait il y a un petit moment, c'était compromis environ. C'est chaud pour faire une tasse bulle. Oui, tu peux faire point exclamation custom, Beamer si tu veux. Et en fonction de si c'est en grès ou en porcelaine, c'est 90 ou 95. Mais oui. Pour les petits animaux, je fais sans problème. Je me base juste sur une photo. Et c'est disponible dans Custom. Il y a une fiche produit, etc. avec toutes les informations. Wesh! Merci Octo pour la commande. Voilà, j'arrive sur un wesh, un mythe se brise. Oh, si c'est ça le mythe, Tregui, ça fait un moment qu'il s'est brisé. Hein. Comment tu vas? Bonjour à toi.
Je sature du boulot, petite pause. Tu t'en sors avec les réunions. Et demain, t'es en week-end. C'est presque la fin, là. Il est quelle heure, d'ailleurs? Putain, il est l'heure du goûter, en plus. C'est la pause au boulot, je mange une glace. Mais grave, c'est l'heure du goûter. Re de la sieste. Retard. C'est l'heure de prendre le petit goûter, hein. Quadrage, j'ai appris qu'un de tes chats était nommé d'après les mignons. Et j'ai pas encore réussi à me remettre de ces informations. Si jamais t'es encore là, voilà, je tenais à te le dire. Que j'ai appris ça hier. Je savais pas. Je suis à la fois émerveillée et désespérée. S'appelle Papuche. Bah ouais, j'ai eu le lore hier. On a eu le lore hier de Papuche. Parlons d'un truc. Vu qu'on est dans un environnement safe. Oh putain. Il y a que moi qui... qui entend aussi tarte à l'oignon. À chaque fois qu'on lit tarte à l'oignon. Alors, oui. Alors, personnellement, j'ai jamais pensé à ça. Le lore, l'histoire de Papuche. Maintenant que tu l'as dit, oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je vois, il y a une petite vague de tarte à l'oignon. Mais non, j'avais jamais pensé à ça. T'as juste la dalle, Tréguien. Faut l'admettre, vu qu'on est dans un endroit safe, putain, j'en peux plus. Le sujet hyper important qui nécessite un environnement safe. Je suis à la fois rassurée et dépitée, bébert. Je reviens avec ma famille pour mon anniversaire, je te dirai si ça se fait ou pas. Ça marche, mais dans tous les cas, t'as le lien, et puis sinon c'est sur mon site où il y a toutes les infos. Je préfère ma glace à une tarte à l'oignon. En vrai, une tarte à l'oignon, c'est bon. Hein. Après, moi, je suis très team oignon, j'aime beaucoup. Tarte à l'oignon sera le nom de mon prochain chat. Aïe, 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 à côté de Papuche. Cette famille, hein. Grave, j'avais peur, Bébert. Je me suis dit, putain, ça va partir sur un truc sombre. Deuxième chat, c'est Kipling. Ouais, c'est ça, il y a vraiment... Il y a les mignons et ensuite il y a Kipling. Il y a de tout, hein. Soupe à l'oignon, j'avoue. J'ai l'impression qu'elles sont pas ouf, ces coupelles. Enfin, je sais pas trop. Je suis pas emballée. Comme quoi la bouffe, ça reste un sujet... Oui, et en même temps, bébé, je comprends, parce que ça reste quand même un sujet qui est clivant. Par ici. Et même d'ailleurs dans beaucoup de chats, dans beaucoup de relations, finalement, pour tout le monde, ça reste un sujet qui est relativement clivant. Et qui peut pousser au débat. La tarte à l'endive. On est en... Du brevet de Ramboll. Ça a pas avancé, Ah, c'est ça! Mais oui, c'est ça que je devais faire. Je devais breveter Ramboll. Ah, zut! Ah, c'est dommage, j'ai oublié. Je pense que c'est trop tard. C'est... Ah, là, 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 là. Ça, c'est dommage, hein. Ça, c'est drôlement dommage. Genre, les gens qui aiment les brocolis. Mais c'est trop bon, les brocolis, Tric. Genre, la salade de brocolis, c'est banger aussi. Si on continue sur les mignons, mon prochain chat s'appellerait Bob. Bob, j'aime beaucoup.
Oh, flûte. Ah bah ouais, flûte de zut, hein. Mince et remince. Saperlipopette, ouais, comme tu dis. Non, c'est... Brocoli, c'est gourmet. Ah, voilà. Enfin, enfin, Vévert a un peu de goût. Team Chou de Bruxelles et pas Team Brocoli. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, Octo. Ce que je lis, là, c'est... Non, mais de toute façon, je vous avais raconté comment ma grand-mère arrivait à nous faire bouffer des... Genre, elle faisait du chantage à base de... À base de... Oh, t'aimes pas le brocoli. Elle faisait du chantage à base de chou de Bruxelles. Elle avait flairé le bon filon. Je suis sur un Discord safe où on peut demander d'éviter certains sujets trop stressants. Le seul que j'ai demandé a un rapport à la bouffe, c'est vrai. C'était quoi le sujet trop stressant? Non, quoique c'est une très mauvaise idée parce que ça risque de lancer. Ne nous dis pas. Mais c'est trop bon le brocoli. Elle m'a eu avec les brocolis, elle faisait croire que c'était de la purée de courgettes patates quand j'étais petite, mais non, c'était des brocolis. Mais est-ce que t'aimais bien? Est-ce que t'aimais bien sa purée de courgettes patates? Merde. C'est l'intérêt des choux de Bruxelles, c'est de les mettre dans un emballage de Ferrero Rocher pour faire la blague Halloween. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Tar. L'ODEM ne m'a pas trahi aujourd'hui, tout va bien. T'as évité le conflit en parlant du maître, mais là... Mais non, mais les brocolis, c'est trop bon. Coucou, Meia. Bah oui, mais je suis vexée. C'était bon, mais voilà. Elle a réussi à m'avoir. Ah, les brocolis, c'est fin gourmet. Je suis d'accord avec toi, bébé. C'est bon. Vapeur, et après, tu poêles pour avoir un petit côté sucré salé. Il y a des trucs que je lis, je voulais jamais savoir, hein. C'est quand même terrible, hein, cette spaff. Finalement, on apprend que Octo a des défauts. Hein. Mais après, l'avantage, c'est que je me dis, c'est bien d'avoir aussi des amis comme ça. Des gens comme ça dans sa vie. Tu sais quoi, juste pour toi, je vais dire que c'est dégueulasse, tiens. Mais attends, mais pourquoi tu m'en veux? Qu'est-ce que j'ai dit, bébé? Pourquoi tu m'en veux, bébé? Je veux dire, c'est dégueulasse. Et toc comme zèle. Mais qu'est-ce qu'il a, bébé? Qu'est-ce qu'il a encore? Mais c'est pas mal d'avoir des amis qui aiment bien... J'ai jamais dit que j'étais parfaite. C'est bien d'avoir des amis qui aiment bien les choux de Bruxelles, qui n'aiment pas les brocolis. Comme ça, tu leur refiles tes choux de Bruxelles et tu récupères leurs brocolis. C'est ce qu'il faut dans un groupe. Pour une fois que bébé a... Ah oui, j'ai peut-être dit ça. Oui. Non mais oui, c'est vrai que bébé, j'ai peut-être dit ça. J'admets. J'admets. Mais c'est parce que moi, ça me ramène à l'endive, tu vois. Ça me ramène à l'endive. Tout se ramène à l'endive, bébé. Ouais. Non mais c'est vrai que j'admets avoir dit ça. Désolée, bébé. Mais t'as très bon goût en matière de catcheur. Bah oui, t'as dit ça. En matière de catcheur, là, il faut te demander à toi. Tu connais. Avec des morceaux de comté dedans. Ah ben voilà, ça c'est beau. Ça c'est ce qu'on veut entendre, voilà. Petite salade d'endive. Je suis désolée, bébé. J'aimerais mettre ça sur la faute que... Sur la faute du boîtier qui marche pas, mais je sais que boîtier ou non, j'aurais dit la même chose. J'admets. J'assume. Je te demande pardon. Brocoli, un truc, c'est super bon. Tu fais comme des croque-monsieur, mais avec du morbier. Des graines germées, champignons de Paris, des pousses, d'épinards. Tu manges ça avec un verre de jus de pomme coupé avec un peu d'eau gazeuse. Au lieu de manger les brocolis. Putain, j'y croyais! J'y ai cru jusqu'au bout! J'y ai cru jusqu'au bout. Chier, il m'a eu.
il m'a eu. Non, mais par contre, salade de brocoli, ça c'est super bon. Désolée, je mais j'aime pas les endives. Ouais, mais vous êtes beaucoup. Salade de brocoli, je trouve ça trop bon. Autant manger des frites. Ah, je sais pas. Il y a du vrai aussi. Genre brocoli, coupé finement, des noix, de la grenade. Bon, alors, il y en a qui mettent des lardons, mais bon, du coup, bof. Et d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et en vrai, même juste ça, petite sauce salade, c'est trop bon. Ça c'est banger. J'ai à peu près arrêté les frites depuis que je suis végétarien. C'est 100% sucre, niveau protéines, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ah ouais, mais les frites, c'est trop important dans l'alimentation pour le psychologique. C'est trop bon les frites. Petite frite d'endive. Ah, bah ça je sais pas trop. Non mais endive cuit, c'est... Endive cuit, on est tous d'accord. Ouah, je commence à fatiguer. Endive cuit, c'est non. Oh là là, mais tard, on est pareil. Hein. Endive cuit. Bébert. On a déjà discuté, ok. Je suis contre l'obligation de soin. Sauf pour les gens qui font cuire des endives. Je suis d'accord. Faut pas faire cuire les endives. Mais en vrai, des fois, je vois des gens qui font cuire des endives et genre, ça me donne presque envie. Mais parce que la vidéo, elle est bien montée. Je pense que c'est juste ça. C'est parce que genre,